Jambo batoto a Kolwezi, mbote nabino, bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Nous sommes bel et bien dans la province du Lualaba, précisément dans les chefs-lits, hein, la ville de Kolwezi, en tout cas là où nous sommes là pour accompagner la première dame, la très distinguée première dame, maman Denise Nyakiro Tshisekedi, au Penza Aza Awa, depuis dimanche 5 mars 2023, au Penza, maman, moi c'est Ayambo, République démocratique du Congo, première dame de la République, maman Denise Nyakiro Tshisekedi Azali Bongo Penza Awa, Nakati Alola Bantuka, Bomonaki Penza Ake, Yendengezalaki Bongo na compte na. Na aéroport lobby to kolaxe mino penza ambiance ngo ndenge zalaki kasi na yango penza na zanga moko te na kobeta lisolo ya arrivée ya première dame awa na kati ya ville ya Kolwezi na analyste politique moko na kombo ya ndeko bobobolia o penza na ye to kopesa na makanisi par rapport ya arrivée ya première dame pourquoi pas aussi to lobela pe po to zanga kati ya Kolwezi bien sûr on doit aussi parler de la gouverneure de la ville de la province du Lualaba mama Fifi Mashuka o penza to za pito monye penza ye wana ayamba ki bongo première dame et pourquoi pas aussi to sukawana to kolobela penza par rapport à la réalisation ndengezele ka ana katsalo laba et surtout aussi pour parler de l'actualité politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pena to mona ki na niveau à Kinshasa bongo le chef de l'État avait vraiment une visite au pena to yamba ki bongo président français na kata mboka na biso pour la première fois depuis que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo za penza à tête il y a Congo donc voilà to kobeta ngo penza nande ko bobo au penza na ko yamba Mwana mboka yaka na oto zala mwa awa mbote jambo to na kata Kolwezi. Voilà jambo batoto ya Kolwezi. Jambo na ba bana nyonso ya province ya Lualaba en général voilà to zali awa penza et sengo ezali makasi pona biso ko uta Kinshasa ko ya awa na mboka ya Lualaba pe ko tala lolenge nini première dame akoma ki pe ba réalisation oh mama Fifi Masuka zali ko sala pe na pesu également merci pour na invitation oh voilà mon mboka to lo bela bongo na nous arrivé ya première dame Denise Nyakiro Tshisekedi au penda a fula ki bongo les sol Lualabe hier dimanche 5 mars 2023 oh esika ba bi penda ki mama Denise Aza awa pona ko solo na ba mama mobilisation na te pe akeyi wana l'action nous ko sala par rapport ya Merci beaucoup, Molobeli Yamboka, Merveille Madé. En tout cas, hier, nous avions assisté à l'accueil de la très distinguée première dame, maman Denise Nyakiro Tshisekedi, au Penza Ayaki Awa Namboka Yakolozi. Pour la toute première fois, depuis Penza Kemokonzi Yamboka, à côté de Bokonzi, maman Denise Nyakiro Mboka Yakolozi, lobby dimanche 5 mars 2023, justement. À quoi passer Penza ba festivité et à mois de la femme généralement nous disons c'est le mois dédié au respect des droits de la femme voilà nde ayaki Penza awa kasi alinga ki kaka koya mokolo ya ba festivité te kasi alingi Penza akoma quelques jours avant pour te azwa temps à visiter province ya Lualaba voilà à solo la pena ba maman d'une manière générale et en particulier avec plusieurs couches de la population po ete aye ba penza bo senga na bango ezali nini po ye penza ezali ba côte oyo ya président de la République Fatih Beton mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi alors o etali mobilisation ndenge uti ko lobango en tout cas ndenge to lobaka na français la mobilisation était tous azimut c'est-à-dire que nous avons vu comment la gouverneure du Lualaba maman Fifi Masuka Saini s'était déployée pour nako sala mobilisation oyo ba lobaka na lingala ya kafu bande ko ya kolo parce que l'histoire penza na munoko ezali mingi te mais moi lingala pe moi ya ndenge wana mais bon nous allons nous battre pour essayer un peu de vous informer de la manière dont les choses se sont vraiment déroulées ici hier dans la ville de Kolwezi en tout cas mobilisation ezali ki makasi to mona ki une grande partie il y a ba parti politique il y a Union Sacrée oh ezali penza bongo vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oh ba yaki ebele bazala ki na aéroport depuis 10h du matin ba yaki penza ebele pona ko accueillir première dame maman Denise Nyakiro Tshisekedi peut to mona ki penza lo lenge nini
parti politique y a la gouverneure y a province y a là-bas FIDEC bazala qui mobilisé mobilisation zala qui makasi tout monde qui drapeau y a drapeau y a FIDEC et pepa qui makasi ngenga qui makasi na aéroport penza ya Kolwezi awa et pas wapi bayamba qui mama Denise Nyakeru Tshiseke dit peut tout monde qui ba autorité belé comme le questeur y a ensemble provincial y a là-bas oya benga mibongo na kombo ya Monsieur Roy Kaumba Penza ye azali pe au cadre ya parti politique FIDEC oye ezali bongo na autorité morale Fifima Suka Saini. En tout cas ba parti politique ebele lokola AFDC, ba parti politique ebele lokola MLC, ba parti ebele lokola IDPS oyo penze ezali parti ya mokonzi ya mboka l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tomona ki bango bazalaki ebele 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 penza pona koyamba. Première dame plutôt ya République démocratique du Congo Mama Denise Nyakeru Tshiseke dit pe en tout cas pona ngai na koki kolobake longo nya mingi na na mokambi ya yambo ya province ya Lolaba oya zali bongo Fifima Suka Saini po mobilisation ya bongo tokendaka na yo na ba province ebele to mona ka pe lolenge nini bayambaka batu me mobilisation oyo tomoni awa na Lolaba elakisi lolenge nini penza la gouverneure Fifima Suka Saini ayoka makaipa ya population pourtant ngwa ka lancer mot d'ordre que première dame akoya peto moni bato ebele batiki banda kuna bango en plus lobe zalaki dimanche mama molobeli lobe zalaki dimanche bato bakokaye pe kokende ba église bato bakokaye pe kokende ko sala ba misala bango ebele me balobi te toya toyamba mama wa yambo ya République démocratique du Congo mama Denise Nyakeru pe batika ki ba occupation na bango en tout cas ambiance oyo nga na mona ki lobi na aéroport en tout cas longo na mama gouverneur Fifima Suka Saini. Si polémique pesa penza makasi na likambo tali bongo arrivé à première dame à na kata mboka ya Lwala bato pe Kolwezi. Ba bi pona nini kaka choix ya Kolwezi. Mama Denise pourquoi pas kende ki na est kuna po ba mama penza kuna ba ko nyoka mama makasi faire de ces apenda na mimika na makasi kasi pona nini ya poni kaka Lwala ba. En fait kopona ya Lwala ba to pe ko koya na ye a na Lwala ba. Ezalina motuya penza makasi. D'abord nous devons savoir que c'est sur l'invitation il y a gouverneur penza ya Lwalaba oyo wapi azalaki parce que batunyo so bangonyo so baza ba maman spécialement nous sommes à ce mois de mars un mois spécial spécialement dédié au respect des droits de la femme. Maman Denise Amonaki que te bandaye a komi penza na bokonzi nana nyata mboka ya Lwalaba te. Alors et tout a mi été mama ya yambo tope mokambi ya yambo yambo ka Lwalaba andimaki ete abengisa mama Denise Nyakeru awa na kati ya Lwalaba pe mama atali ete bon depuis na komi première dame nanu na kenda pe mboka Lwalaba te na yoka ngoka na musika esengelete na tia pe makolo kuna na kuta na pe na bandeko certes nous savons qu'il y a des problèmes dans la partie est de la République démocratique du Congo mais aussi il y a des problèmes il y en a pe na batu oyo bazaki na bosenga ya komona première dame ya République démocratique du Congo mama Denise Nyakeru parce que ba mona yeka na ba TV ba yoka yeka na ba radio ba yoka ka kombo na ye mais ezalaki pona bango esengo makasi ya komona première dame pe ezalaki e honneur makasi pona ba femme to pe ba fille ya Kolwezi po ba mona te première dame a foulé penza makolo na ye awa na kati ya mboka Lwalaba to koki koloba ete ezali problème te ete akende est aya a na Lwalaba parce que ba o baza a na Lwalaba ezape kaka population ba oyo pe baza kuna na est na parti ya na est esika wapi ba atrocité ezali ba M23 bazali kotika mboka na biso te ezali pe kaka population c'est-à-dire que lolenge moko koki ko apporter aide na ye na parti ya est ya République démocratique du Congo lolenge moko pe koki ko apporter aide na ye awo apenza na kati ya population ya Kolwezi généralement plus particulièrement pe na province ya Lwalaba c'est-à-dire que bazali population est pe bazali population mais mama Denise a préféré qu'il était ayana nu awa aya awa na Lwalaba parce que nanu aya awa te pe o comprendre que population bazaki ne sengo makasi ba sepeli penza comme na première dame o ya yei penza sous invitation plutôt sur invitation ya mokonzi ya yambo ya Lwalaba oya zali bongo Fifima Suka Saini. Voilà, parlons toujours ya makambo et tali bongo Lwalaba total ape bongo to sai nonka a deux jours to zaki pe na terrain o moni ndenge nini pe na même sala to pe ba réalisation a ezek le kana ka tali Lwalaba. En tout cas, il faut parler di Lwalaba lelo rolo banini moi changement ezali to ndenge nini. En tout cas, ça on doit le dire sans ambages,
et sans nous voiler la face, tokolobaete ndenga balobaka na français, parler dans le dos de la cuillère. Ça dure que nous sommes arrivés étant que analyste politique et sengele te koko mana esika kota la penza kota la de gauche à droite de haut en bas lolengeni makambo ezali kotambola kasi tozala ki na yo lobby na aéroport to yo ki ba réaction ya bandeko ndenge bango moko na balobaki. Au-delà de ça, nous sommes allés dans des coins et recoins, il y a ville ya Kolwezi en particulier, pays ya province. Bon, bisikana nous te komi parce que province c'est amunene. Si nous disons que nous avons fait le tour de la province et que zala lokola tozo ko sabandeko bazola na biso. Mais au moins ba parti o penza biso to tamboli ngai personnellement, je suis convaincu na ba acte te pe ba réalisation o na moni ya maman Fifi Masuka Saini o penza asali en faveur ya population ya Lualaba. Généralement, plus particulièrement, plutôt na bana nyonso ya province ya Lualaba. Ya liboso nanu, oyo na monaki, tango na kiti, ezali construction ya échangère. Ozo monake, bana ya Lualaba, bazo mona lolenge nini Fifi Masuka Saini azo tongela bango échangère. Biso na kin, tango zara na kin, échangère ezara lokwa la plus grande référence. Eh? Et ça va tout refaire la République démocratique du Congo n'est pas en France. C'est-à-dire que nakati ya Lualaba pe Fifi Masuka Saini a eu une décision à saler la bana ya Lualaba tout refaire ya Lualaba. N'est pas en kin, OK omoni. Voilà, c'est un honneur. Wana ezali moko ya ba réalisation ya Fifi Masuka Saini. C'est-à-dire que soki lelo to zongi kin, lobita on to zonga a na Lualaba to yo akuta déjà parce que les travaux ezo kene na na vitesse moko na ndenge ya kosakanate. C'est-à-dire que Fifi Masuka Saini a disponibilisé ba moyen pour construction ya ya échanger wana o ezalo ko la référence. Eh, au moins tant to kitaki lobi na nini wana place o webisenga ke no. A wa soko kangisi photo te ezalo ko ko mina Lualaba te. C'est-à-dire que référence ko zalaka ka wana te ezalo ko le sikalo ba bengi victoire. Voilà. Ezalo ko voilà, rond-point Mwangesi. Voilà. Mais parlons d'abord du chef de l'État ndenge penda baza et que mon conférence de presse wana ndenge et c'est pas ça qui et tant que analyste politique, comment analysez-vous d'abord cette conférence de presse? Bah tout ce bako benga ngaza ki pena débat ba bi chef de l'État Aniati pena Macron dans sa pas souka. Madame, je pense à ce point, je dirais Fatih Béton Longonia coup de chapeau. Aujourd'hui, moi je l'ai déjà Nelson Mandela de l'Afrique. Bah, Nelson Mandela de l'Afrique en général et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. Lelo oyo batubande ko lobake no o Fatih aza contre RDC. Eh bande ko na biso o bazo tepatepana na côté à opposition, ça dit que l'opposition c'est bien, mais lorsqu'il s'agit d'une cause noble, c'est-à-dire la cause de sauver la partie Est de la République démocratique du Congo, moi je pense qu'à ce point, nous ne devons pas avoir des opposants. Madame, nous allons avoir des opposants pourquoi? Parce qu'il s'agit de la partie Est de notre pays. Bah, compatriotes Nabiso, Bazakuna, pourquoi nous devons être des opposants? C'est-à-dire que nous devons plutôt soutenir la diplomatie et le chef de l'État. Je vous rappelle que na Makambuya Est et Oyo, des opportunités se présentaient devant nous, soit de faire la guerre avec les Rwandais, soit de recourir à la diplomatie. Et vous savez les conséquences de la guerre. Hein? On a vécu le guerre na banem sous l'équipe kuna na sima. C'est-à-dire on a vu les conséquences, les pays avaient fait un pas en arrière. Alors on ne devait pas, le président de la République, sage qu'il est, on ne devait pas recourir à la guerre. C'est-à-dire qu'on a choisi la voie diplomatique pour sauver les pays. Alors, discours wana ya chef de l'État a niati penda na esika oyo et sengeli. C'est-à-dire que mutu o balaki si oké, cette personne aurait tué ta mère ou cette personne aurait tué ton père. Ça dit que vous en avez réserve. Alors, Emmanuel Macron, Oazali président français, est soupçonné à soutenir les rebelles il y a M23 au Rwanda. Alors, cette personne-là, tu peux accueillir pour Nanini. Nous, les Congolais, tous en ont peine et on a le barakibomoto. Ça dit que tous en ont à Kibomoto. C'est-à-dire, nous ne devons pas toujours être bêtes. Les politiques nous appellent d'aller accueillir le président Macron parce qu'il y a des gens qui soutiennent, bateau, bateau, qui boma, qui pillent. On voit même des images où on est en train de couper les têtes. On coupe les sexes de nos femmes, de nos hommes. Et puis, si ces actions-là sont en train de se faire, c'est parce qu'il y a une personne derrière qui serait les Rouen, plutôt la France. Et mais moi, je ne partirai pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas parti. Et alors, il savait, parce que bah, ça n'a pas représentant dans la RDC, il y a les ambassades, les consorts. C'est-à-dire, il savait, Ayoka,
comment la population de l'Est c'était était plutôt montée au créneau pour dénoncer, pour dire que non, nous n'allons pas accueillir le président Macron, Toroyambayote, parce que c'est toi qui soutiens ceux qui nous agressent. Et Akin également, on a vu ba structure rebelle ou ba tellement qui pensa pendant ko boya ko yamba président Macron malin qu'il est, il a planifié son temps pour atterrir la nuit. Vous voyez, parce que avec la colère de la population, au moment où on a perdu Abou, n'engue au bisou na kin tolo bagayno et tekiama. On risque le président Macron quoi ne tekiama. Et tout est côté au moment où Abou pou. Ça dit que il est malin plutôt. Il s'est organisé avec son équipe pour atterrir Nabutu, Azong Apekaka, Nabutu. Mais parlons de... À l'Obeli, problème majeur à RDC, mais à condamner France. À condamner France. Le président Macron qui se permet de dire que, oh non, vos problèmes, vous ne devez pas commencer à chercher Banani Moussousou, vous n'avez pas pu à régler vos problèmes en interne. Mais monsieur Macron, ce n'est pas à l'époque de Félix Tshisekedi, on doit se le dire. Le président Félix n'a fait que 4 ans au pouvoir. Hein? Les choses ont commencé bien longtemps. On a vu même à l'époque avec le président Mobutu, qui lui-même faisait une descente sur le terrain. Lui, il était militaire. Mais tant mieux, nous pouvons dire que malheureusement pour le président Tshisekedi, qui n'est pas un militaire, il est en train de recourir avec la diplomatie pour chercher à sauver. Et si on a une conscience des Congolais pour comprendre que Mokonzi Yamboka azali koluka bongo pacification il y a parti S il y a République démocratique du Congo, c'est-à-dire qu'il est plus que préoccupé par la mort, par les tueries, par des massacres, par tout ce qui se passe à l'Est et la RDC, et il veut vraiment à ce que toutes ces histoires cessent et que population n'a bisou bavara na kimia. Le président de la République s'est dit, si cette situation continue ainsi, ça risque. Hein? Bah tout bas interprétant ma bête que non, président de la République aligné à ça la souris glisse. Non, il dit ça risque. On comprend. Donc cela ne veut pas dire que non, éco ça la mais éco qui commémore bisou que non tôt et dérangé processus électoral la bisou est déjà en cours avec plusieurs enrôlements qui se font déjà à travers toute la République démocratique du Congo. Donc je félicite en tout cas les présidents de la République. Pour ce débat ô combien important pour la nation congolaise, et je pense que la population congolaise a bien compris le combat salvatrice qu'est en train de mener le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment Oyazali préoccupé était Kimia Ekota, il a dit même lui-même ce qui a kokokata na nyon sauté mais ko pacifier est la République démocratique du Congo, Ezali moko ya cheval de bataille naye pona comme ma penza bon somi topé autorité de l'État na parti ya SR République démocratique du Congo déjà na Ituri qui m'a déjà coaché avec l'État des sièges instaurés par les chefs de l'État bunagana kasi na FARDC. Madame, nous devons faire confiance à nos forces armées. Quand bien même que nous devons continuer à le dire que le président de la République, au-delà de généraux, hein, des hauts cadres, des forces armées qu'il a révoquées, il doit encore continuer avec ce processus. Parce que dans ça, il y a aussi des gens qui continuent à... Hein, il y a toujours des infiltrés. Mais nous, compatriotes que nous sommes, nous devons toujours faire confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'à part Bango, c'est-à-dire que nous devons faire confiance à nos FARDC, nous devons faire confiance à la population congolaise. La population congolaise doit accompagner nos FARDC. Et je pense que dans ce sens, nous aurons la victoire. C'est-à-dire que l'ennemi ne continuera toujours pas d'occuper notre parti illégalement. Avec les efforts du président de la République, nous pensons et nous restons confiants que la paix redeviendra dans cette partie du pays. Et la paix reviendra dans cette partie de notre pays. En tout cas, tu peux citer comme Kasi Bongo, naba FARDC na biso, tu peux citer nos penda makasi, ba papa nangai, ba ndeko nangai, ba ko bunda penda na este, tu peux citer nos penda makasi. Surtout aussi, félicitations au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moni penda, wana moana sphinx, de penda to mona ki mokolo wana. Merci na bino en tout cas pour que belia kolanda biso ngai mwana mboka, to comme presque na suka et moi un dernier mot par rapport à l'émission. Ba bon séjour na ope oza penda na katalo là-bas. Voilà, merci beaucoup pour la parole. En tout cas, je dis un grand merci à toute la population lualabaise, là où nous sommes également. Un grand merci à toute la population qui vont certainement nous suivre par les canaux de votre chaîne CS TV. Nous disons un grand merci. Je dis un grand merci également à la gouverneur. Yalo là-bas. Vive Masuka Saini.
Oh, vas-y, ben, la. Yes, comme ma commission au féminin, la petite bétonne. Elle est en train de bétonner la province d'Ilo là-bas. Fifi Masuka Saini, coup de chapeau à vous. Nous vous encourageons à travers vos actions salvatrices au profit de la population. Continuez. Prêtez oreille, naïoté, nabato, bazo, le barawana, ou. Tala, ce sont des personnes qui ont lamentablement échoué et qui cherchent à se faire une place de choix auprès du président de la République. Oh, peut-être vous souhaiter. Nous demandons également au chef de l'État, président de l'État, dit-il, de reconduire Fifi Masuka Saini pour actionner au oiseau, ça, la nion, ça, on a là-bas. Ils ont la peine à pérenniser. Un grand merci également à vous qui m'avez plutôt offert cette occasion de m'exprimer. Devant la population du monde entier au Bazo Lanabi Sopena, partout où ils sont. Je vous dirai également un grand merci et coup de chapeau à Fatih Béton. Mokonzi Amboka, Azarara Moko, le président élu, le président légitime, Fatih Béton. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Bobo Boli Openda d'être invité à l'émission Mon Koula. Les lotos a toujours en Akatalo là-bas. Joyeux anniversaire à mon fils Gaël aujourd'hui, ah, deux oui. ans. Le petit Kinshasa. Gaël, Babi. Les petits garçons terribles de la famille. C'est-à-dire que petit Oana donc, on dirait que Mobulu les a ramené demain. En tout cas, très cher petit frère, je te souhaite un très joyeux anniversaire. En tout cas, là où tu es, sachez bien que Mama est Awa, Kubunabi Tumbapo na Mboka. Aïe, à pas bouner la mboka parce que yaza mon lobe la mboka, à kiti a non l'or, pas lobe la mboka. Pour auto sali a auto lobe la mboka, maman y a pour atali sa penda le lenge kani, makamoza koleka, surtout pour n'a vulgariser ba action, ya première dame de la République démocratique du Congo, oyo penda to bengi bon na kombo ya Denise Nyakeru Tshisekedi di ba benge mikolo nan. Maman sociale. Ah, voilà. Maman sociale ya. Population congolaise. Merci beaucoup, on a bien venu sur votre équipe de Bélé Colondabus. Joyeux anniversaire encore une fois de plus à mon chéri, mon fils Gaël Madendoya, papa, deux ans ça s'est fait, maman n'est pas là, mais loin des yeux, près du cœur, voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute ma famille, merci aussi au coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur Fifi Masuka, monsieur Josué Muyumba, cordon, en tout cas, coup de chapeau à vous, madame Naïcha. Également, merci à vous. Merci aussi à Marcelo, hein, un confrère qui nous a aidé. Grâce à un correspondant hein, de 7/7 ici au Lualaba, voilà, na Kolwezi. Merci à toi, merci beaucoup en tout cas au Sungi Biso Penta. Merci en tout cas na ba séjour na biso ana kata lo la ba to ko tambola pina poto la kusabino toujours misala ndenge ko salama première dame azad non ah pina to ko vivre et pina to zane awa to ko fêter bongo to pe to ko célébrer les susu mois de la femme et longo na maman Denise Nyakeru Tshisekedi azay bongo première dame na biso. Bonne fête de mois de mars à toutes les femmes en général et en particulier les femmes congolaises basse à Bouane, babi ba femme forte nyonso basse au père ba namukaka tongo ba maman maraîchère ba maman nanga openza na lingara mingi wana ba maman openza ba ko sala maman wa ala mukaka 4 après na ko lukela bana ko ba maman espérance ndiki bonga openda a sala penda ke po mona nga penza boya en tout cas maman openda ko komba boyi ah non ba maman ba ko sala be Topé Saka Longoni na ba mama. Merci Nabino en tout cas ndenge bobate la kabiso. Merci en tout cas ba femme forte nyonso na pesi no ba mbote place bozali. Bolanda biso toujours na kata Congo succès télévision la chaîne de référence. Ngai Nabino to kuteni mon soki nzamba dingi na masolo ya sika. Merci et à la prochaine.